السلام عليكم. Soyez bienvenue sur la chaîne Femme Al-Talimia. Aujourd'hui, je vous présente des exercices d'application du premier chapitre Gravitation universelle. Exercice d'application numéro 1. Première question. Calculez l'intensité de la pesanteur sur la surface de la Terre, notée G0T. On a vu ça dans le cours. Voir les vidéos du cours. Bien sûr, à Casablanca, sachant que le rayon terrestre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, est RT est égal à 6375 km. Et la masse de la Terre, MT, est égal à 6 fois 10 à la puissance 24 kg. Donc, احسب شدة الثقالة على سطح الأرض نرمز له ب G0T G0T toujours G0T à la surface de la Terre c'est-à-dire H égale à 0 في مدينة الدار البيضاء sachant que علما أن شعاع الأرض RT égale à 6375 km وكتلة الأرض MT est égale à 6 مضروبة في 10 24 kg. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que après le cours, il faut réviser le cours bien. Le cours, je n'ai bien un G0T à quoi égal? Chiddat taqala. Donc G, GH à quoi égal? GH égale à grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus H au carré. Elle dit d'une manière générale. Si on prend H égale à 0 en remplaçant H par 0, on obtient G0T est égal à la constante de gravitation universelle G multipliée par la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Voilà la constante ou bien l'intensité de la pesanteur. C'est l'intensité de la pesanteur sur la surface de la Terre. Sur la surface, à la satr al-art. Sur la surface de la Terre. Application numérique, parce que la question c'est de calculer. Donc G0 de T, en remplaçant G par quoi? Par 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, multiplié par. Ça, c'est en système international. C'est quoi en système international? C'est le Newton. On a déjà vu ça aussi. Mètre au carré, kilogramme moins 2. Mètre au carré, kilogramme moins 2 fois Newton. Multiplié par la masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est 6. C'est 6 fois 10 à la puissance 24 kg. C'est bien. Sur le rayon de la Terre, c'est 6375 km. Il faut convertir en mètres. Donc, on va faire 11. 10 ou 3. Le tout au carré. D'ailleurs, il y a une distance de kilomètre. بما ان الجي بالمتر خصنا نحولوا هذه المسافه هذه او هذا الشعاع هذا نحولوه للمتر يعني 1 كيلومتر دائما كيساوي 10 اس 3 10 اس 3 متر دونك اون ا سا دونك كيس كون ا دونك جي 0 دو تي ا كوا ايغال ايغال 6 دونك غادي نديرو عاوتاني هذه مضروبه في هذه 6,67 مضروبة في 6 مضروبة باردون هنا 10 أس ناقص 11 10 أس ناقص 11 في 10 أس 24 لو تو ديفيزي باغ 6375 أو كاري ميتيبلي باغ 10 à la puissance 3 أو كاري دونك أكوا إيغال أ سا دونك جي 0 de T est égal. Donc, on a 6,67
67 multiplié par 6 est égal à 40,02 multiplié par 10 à la puissance moins 11. 24 moins 11 est égal à 10 à la puissance 13 sur 6375 au carré à quoi égal à ndirou hakki tabaï c'est 4 406 40 625 10 3 2 يعني أس 6 تساوي c'est 40,02 fois 10 à la puissance 13 sur هذه غنديروها كي تابع علمي غندير الفاصيلة هنا دونك شحال من عدد ورا الفاصيلة 1 1 2 3 4 5 6 7 دونك غتولي عندي 4,064 يعني سي دي سويت 06 2 5 نكتبو الفاصيلة كلها ماشي مشكل fois 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 6 pardon 10 à la puissance 7 هذا اللي كتبناه كتابة علمية شنو عطينا 4 فاصلة 0 6 4 0 6 2 5 في 10 أس 7 غير هذا لحق هذا الفاصلة غنحطها هنا 1 2 3 4 5 6 7 غتولي 4.0 6 4 0 6 2 5 في 10 أس 7 ثم مضروبة في 10 أس 6 شحال غتساوي دونك سويفي موا مزيان في 10 أس 6 هنا شحال غتساوي غتولي عندنا باردون غتولي عندنا جي 0 دو تي جي 0 دو تي إتيغال إتيغال أكوا إتيغال أ 40,02 fois 10 à la puissance 13 sur 4,06 fois 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 6. L'IA quoi égal G0 de T est égal à 40,02 fois 10 à la puissance 13 sur 4,06 40 625 fois 10 à la puissance 7 plus 6 ça fait 13. On simplifie par ça, il reste 40,02 divisé par 4,06 40 625. Donc, G0 de T est égal à quoi égal à ça? Donc, on dira 40,02 divisé par 4,06 40 625. À quoi égal à tout ça? Tout ça égal à 9,847. Donc, c'est 9,847. Et puisqu'on a utilisé les unités en système international, c'est-à-dire on a converti le kilomètre en mètre pour faire l'homogénéité des unités, yani باش نخلو الوحدات متجانسة. Donc, هاد G0 de terre, غنلقاوها بالنيوتن, bien sûr, kilogramme moins 1. Voilà la valeur de G0 de T pour cet exercice. Alors, la deuxième question. La deuxième question, de la même façon, on allait calculer l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune. Cette fois-ci, à la surface de la Lune. G0L. Deuxièmement, calcul de G0L, l'intensité de la
pesanteur à la surface de la Lune. De la même façon, G0 sur la Lune, c'est G. On a G multiplié par la masse de la Lune divisé par le rayon de la Lune au carré. Le rayon de la Lune au carré. Le rayon de la Lune au carré. G0L, c'est la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de la Lune sur le rayon de la Lune. Le rayon de la Lune au carré. Application numérique. G0L à quoi égale? 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 multiplié par la masse de la Terre, la masse de la Lune, pardon, la masse de la Lune. La masse de la Lune, elle a été donnée. C'est 7,35 fois 10 à la puissance 22. La masse de la Lune, 7,35 fois 10 à la puissance 22 kg. Sur le rayon de la Lune, c'est 1740 km. Donc, 1740 km. Donc, il faut convertir en mètres. À la puissance 3, le tout à la puissance au carré. Alors, je répète. G0 de L, c'est l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune est égale à G fois la masse de la Lune sur le rayon de la Lune au carré. Ça, c'est G. Ça, c'est la masse de la Lune. Ça, c'est le rayon de la Lune exprimé en kilomètres. Il faut convertir en mètres. Au carré. De la même manière, on va calculer G0L. À quoi égale? C'est 6. Donc, c'est ça fois ça. 6,67 multiplié par 7,35 multiplié par 10 à la puissance moins 11 multiplié par 10 à la puissance 22, le tout divisé par 1740 au carré multiplié par 10 à la puissance 3, le tout au carré est égal. Donc 6,67 multiplié par 7,35 est égal à 49,0245 sur multiplié par 10 à la puissance maintenant 22 moins 11, c'est à la puissance 11 sur 1740 au carré égale 3,30,27,600 fois 10 à la puissance 3 fois 2 c'est 6. À quoi égale? À quoi égale? G0L est égal à c'est 40 facile à 0, 2, 45 fois 10 à la puissance 11, divisé par 0,30. Mais la scène 0,30, 0,30, 0,30, 30, 0 facile à 1, 30, 2, 3, 27, 6 fois 10 à la puissance quoi? Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 à la puissance 6. Donc, on a dit, 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 fois 10 à la puissance 11 sur 30, fois 10 à la puissance quoi? 5, 6, 5 plus 6
Ça fait 11 aussi. هادشي علاش انا بغيت نسامبليفي ب 11 10 على بوسونس 11 باش تبقى ليا 49,002 هادشي علاش انا درت 30 هنايا باش ندير على بوسونس 5 يمكن لك دير هنا هذه كتابه علميه وهذه كتابه علميه وتسامبليفي توجور لو ميم كالكول غادي تبقى عندنا 49,245 سور 30,276 100 unité ou bien newton pardon newton kilogramme moins 1 parce qu'on utilise les unités en système international. On calcule ça 49,0245 divisé par 30,276 est égal à 1 est égal à 1,619 newton kilogramme moins 1. Ça c'est G0 la lune. Donc l'intensité de la pesanteur à la surface de la lune est égal à 1,619 newton kilogramme moins 1. Maintenant, on passe à la troisième et à la dernière question. C'est comparer G0T et G0L. On fait le rapport. Donc, si on veut comparer là, on fait le rapport. Troisièmement, comparer l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune et G0L. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait le rapport. G0 de la Terre. Si on veut comparer, dis-moi le chiffre le plus petit, la valeur la plus grande sur la valeur la plus petite. Sur G0L. Parce que ça c'est 9,847 et ça c'est 1. Donc on fait le plus grand et le plus petit est égal. Donc 9,847 sur 1,619 100 unités. Elle dit newton kilogramme moins 1. Elle dit newton kilogramme moins 1. Newton kilogramme moins 1. On simplifie par l'unité. Bien sûr, elle reste quoi? On fait le calcul. Donc 9,847 divisé par 1,619 est égal à 6, à peu près 6. Donc, la conclusion, l'intensité, la pesanteur, G0T à la surface de la Terre et 6 fois plus grand et 6 fois plus grande et 6 fois plus grand 6 marat akbar et 6 marat est 6 fois plus grande que l'intensité de la pesanteur G0L à la surface de la Lune. Mais maintenant, علاش نلقينا لقينا جي زيرو دو تي هادي راه جي زيرو دو تي على جي زيرو دو ال ايتيغال ا 6 بمعنى جي زيرو دو تي ايتيغال ا 6 فوا جي زيرو دو ال اذا لانتونسيتي دو لا بيزونتور جي زيرو دو تي على سيرفاس دو لا تير اي
6 fois plus grande que l'intensité de la pesanteur G de 0 de L à la surface de la ligne. بمعنى أن شدة التقالة جي زوغ دو تي على سطح الأرض أكبر ست مرات أكبر بست مرات من شدة التقالة على سطح القمر. توجور سيل يا دي كيستيون نيزيتي با دو بوزي لي كيستيون. إلا عندكم شي أسئلة يمكن لكم تطرحوا لي الأسئلة إن شاء الله غادي نجاوب لكم عليهم. سيت فيديو est terminé. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine vidéo inshallah sur la chaîne Fahm Al-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.